Katharina. Seigneur. Que vois-je? Vous ici, sans sommeil, à cette heure, et malgré ma défense. Est-ce bien, dites-moi, de me tromper ainsi? Et qui donc veillerait sur vous? Plus d'espérance, vois, les progrès du mal épouvantent tes yeux, le terme en est prochain. Oh, quelles pensées affreuses! Et pourquoi t'abuser? Le ciel de ta constance, noble femme, après moi te doit la récompense. Et peut-être veut-il, en m'appelant à lui, des mots que je t'ai faits t'affranchir aujourd'hui. Gérard, d'un inconnu, la main tu t'es l'air au glaive du bourreau, la nuit va le soustraire. Il voulut dans le sein de son libérateur épancher en partant. Le secret de son cœur. Et ce libérateur, il sait tout, ta souffrance, tes nœuds brisés pour lui, ta sublime constance, de là ce mal affreux dont tu me vois mourir, que nul savoir humain n'a pu connaître encore, qui depuis 2 ans me dévore, et qui sans moi, et qui sans moi ne peut finir. Calmez, calmez cette douleur.